Mauvaise nouvelle là pour sénateur Guy Philippe. Il n'a pas droit de arriver perdu la ville. Jeudi à la boule 14. Et tout ça a passé dans l'après-midi 13 mars 2024. Là, côté ancien sénateur lui-même, qui pratiquement était déjà en communication avec tout allié. Bien bon matin, la société bagaille ça a tellement dérangé ancien sénateur. Il a finalement fait la main de tête li. Est-ce que si monsieur t'a croisé, est-ce qu'il a choisi malchance? Zami ça a le Maxime Panfil. Si vous allez sur monsieur Bessapio, il y a des gens même qui présentent monsieur comme un agent Bessap. Vous voyez que monsieur était très proche ancien directeur Bessap là, à savoir Jean-Tel Joseph. La société bagaille ça a pratiquement bah en pile caisseté par bon côté tout le monde qui a pas suivi et qui remet un travail comme un Guy Philippe a fait en bas dans la Coupe de Brest-là. Eh bien, sincèrement, tout le monde qui approche le sénateur Guy Philippe, obligé de commencer à rentrer tête dans un petit cafou. Il y a plusieurs monde qui t'a présenté, monsieur, comme un vaillant soldat, un garçon campé. C'est une anecdote que le commandant Guy Philippe a apprécié en pile. Au contraire, avec différentes informations qui ont véhiculé sur tout internet là qui t'a fait comprendre, c'est un bandit qui t'a mouru. Non, information que nous déjà arrivé à joindre, que nous même allons à la source, c'est pour moi d'être ancien sénateur Guy Philippe, monsieur c'est Maxi Panfil, monsieur t'a tombé en la boule 14. Et Rimen ou t'a couru sous dos, monsieur qui t'a fait quoi? C'est antenne que monsieur t'a fait pour monsieur vivre ensemble. T'a envahi la boule. Encore une fois, un proche ancien sénateur, t'a pas ni information ça, puisque ancien sénateur, bah, j'aime camper. Li prend en position en réalité pour être capable de craser état bureau étatique institution étatique. Ça c'est déclaration ancien chef Jean-Tel Joseph. En tout cas mesdames messieurs, il n'a pas rien de me dire nous. Donc en tout cas mesdames mademoiselles et messieurs, c'est pour ça va la paraître compliqué. Dans moment on a parlé à l'équipe ancien sénateur Guy Philippe Blanc. Dans moment on a parlé à là mesdames mademoiselles et messieurs, monsieur qui est André Michel là que tout le monde dans le pays d'Haïti a cherché coucher fou. Manque quitte épaule, selon l'information que nous gagnons, c'est comme quoi monsieur t'a gagné pile difficulté côté que le taillé en province, côté monsieur le caché. Il y a une information qui a circulé sur toute toile là qui t'a fait quoi? T'as gagné une machine, t'a tiré sur lui, dans la boule 14 ans, c'est un chauffeur à Touan. Eh bien, mes frères et soeurs, amis, ma police pour me dire que ça c'est une mauvaise nouvelle. Puisque machine ça qui a pratiquement gagné garçon ça qui mourit là-dedans, qui c'est Maxi Panfil, c'est une personnalité qui c'est bon allié ancien sénateur Guy Philippe, j'ai que m'te commencé à dire nous là. En tout cas, mes frères et chers amis, combien dans nous là, c'est nous t'a croisé, M. Michel, et donc nous t'a dit un bel bonjour, un bonjour avec corps. Donc, même Jean, un pile monde a cherché le coucher fou. Donc, dans le moment de parler à M. qui gagne un pile difficulté, lui a fait un pile prudence pour justement lui pas passer parmi la foule. L'autre point qui a dominé l'actualité, hein, messieurs, dames, la société, département d'État, lui campé dandy et tête raide, lui dit faut que nomination, membre conseil présidentiel, la fête jeudi, mercredi 13 mars 2024, là, papi taqué 11h59, depuis le fait minuit, donc il a passé dans le plan B. Et c'est porte-parole département d'État, Matthew Miller qui fait déclaration ça. Je fais connaître l'administration américaine. Ils continuent à demander monsieur agir plus vite et font dépassement de soi pour délivrer Tizine ça depuis quelques temps qui est presque perdu. Donc, monsieur fait connaître, si ils n'ont pas arrivé à soumettre non sept monde qui doit être dans le collège présidentiel là, malheureusement, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le moment où on a parlé à la route, déjà qu'il y a un plan B. Et ce plan B ça, ils vont l'utiliser pour faciliter, mes frères et soeurs amis, retour dans les fêtes en deux pays. Bonne nouvelle, dans ce qui y a eu un travail que si monsieur armé, l'obéi qui a fait dans le pays, la police nationale d'Haïti, voyez une Alvin Baron, mais il y a tout dans Hokkaido, commissaire Ronald Richemont, tu as mis la patte sur Mati qui vient de s'appuyer, monsieur c'est une mauvaise graine qui t'a formé une gang qui t'a mal fonctionné derrière. Et bien, matin, mercredi 13 mars 2024, au CAI, M. Richemont mettait la patte sous tout le monde. J'ai encore regardé si Figui, monsieur là, ou après si Figui, moi, là, fait le vrai. Moi, c'est mauvais grain. Garde Figui, moi, après, coupable. C'est ça qui m'a dit dans Figui, monsieur. En tout cas, on a dit bravo à commissaire Richemont, même si on a mis un petit problème, Bamavel, parce que certaines fois, monsieur campé très mal. Je dis, monsieur, pas campé propre, même, parfois. Ok, monsieur, pas campé relax, même. C'est un qui campé Jean, plutôt Jean le Flé. Et li capable nerveux l'homme garder commissaire Richemont, monsieur, li gen ti faiblesse mais
son écho capable dit on garde toutes les proches pour lui mais il pas même avec commissaire Muscadet mais donc ou pas qu'a dit différent. On débat les nous de ça déjà de ça mes frères et sœurs amis que ti monsieur vivent ensemble yo cementé yo pas bail chance OK yo pas bail chance à CARICOM donc pour que CARICOM vienne mettre un gouvernement chita là côté que yo c'est eux même donc qui pral à mourir rabli une condition sine qua non dans affaire bail CARICOM non condition sine qua non ça faut que donc tout monde dit entrer là dedans faut que d'accord force la entrée. OK, pabli gon paquet nek ki deja pa d'accord pour force rentrer, mais kounya l'a gardé figi nek yo wene yo même, yo d'accord pour force rentrer malgré Jean Sayan. Donc et comme ça et bagalaye ki ta montré mes frères et sœurs amis et li pratiquement donc a présenté nan CARICOM. Bon information que m'ta pressé et gardé pour là et pour partager à vous même. Et machine qui te gagne monsieur samedi nous qui c'est pas fil qui c'est selon information qui c'est bois droite ou mais qui c'est une personnalité qui proche ce sénateur Guy Philippe Plan et c'est un Nissan Patrol qui crie pas bal et individu pas arrive identifier tout chauffeur mais selon ça monde et l'autre reporter que nous gagne là et partager avec nous-même André Michel t'a gagne un Nissan Patrol de même marque là donc est-ce que réellement c'est ta machine mais André Michel là ou du moins que c'est ta donc information et c'est ta toujours même information que m'a ban nous puisque dans la boule 12 dans la 14 non gagné information qui vérifie qui confirme que proche ancien sénateur Guy Philippe qui notamment perdu la ville dans moment n'a parlé à là on va quitter nous avec yon conseil de son et bien analyse mais nous devons font petit repasser sous Maurice Jean-Charles dans conférence pour la presse qu'il bail jeudi hein Maurice Jean-Charles me suis dit c'était dans local dans Delma 41 il fait connait que conseil présidentiel trois membres ont été choisis l'a installé ouais par ouais ancien sénateur a précisé il y a plus passé 150 partis politiques qui courent et conseil ça sans compter plusieurs centaines organisation sociopolitique l'été pour qui signale elle t'a profité voyez j'étais conseil 7 ou 9 membres et CARICOM Medewa donc dans moment on a parlé là on quitte droit on salue peuple haïtien on salue toute frère Maxime yo qui dans quartier populaire m'a salue diaspora haïtienne là jodi a nous et qui gens arabe te mettez pied la terre dans Port-au-Prince qui j'en a te mette pied la terre dans Delma dans Pétionville en ben petit groupe assassin criminel qui dans la police là nèg qui a fait choul oligarchie on pas dit ça aux policiers non les on policier qui honnête qui dit dans moment pas tirer sous frère là plus semble policier a semblé ti monsieur ghetto yo les policiers yo pas sorti dans classe bourgeois c'est dans classe populaire policier yo sorti je dis m'a regarder moi toute diligence la police a fait pour officier arabe dans Pétionville. Je dis à moi nèg yo di m'te débarqué Pétionville avec pile nèg village m'te débarqué Pétionville à pile nèg ghetto. Je dis à qui ça lié. Tout ghetto yo pas fonctionner Pétionville pas ka fonctionner, c'est ça arabe dit. Tout ghetto yo pas fonctionner, Rodel m'a pas ka fonctionner. Je dis à prendre ti messier vivant ensemble yo, mais grain dans monde à nous. Nous va ka dire que ghetto yo pas fonctionner, Pétionville a fonctionner. Rodel m'a fonctionner. Je dis la SL Pétionville, c'est celle Rodelma qui paye. Je dis à moi toute diligence, tu me sais Itadio. Vous comprenez, nous voulons faire job ça là. Mais regardez bien pour essayer de m'assembler, messieurs. Je dis à c'est nous-mêmes qui venons tirer dans le quartier, côté nous connaissons réunis. Pendant ce temps, mettez pieds à terre. Tout le monde connaît base Belvedere, c'est base moi. Tout le monde connaît jalousie, c'est base moi. Tout le monde connaît tête bleue, c'est base moi. Tout le monde connaît. Et marché colonie c'est base moi tout le monde connaît toute petite base dans Pétionville yo petit ghetto yo c'est base moi parce que c'est là que nous mêmes c'est dans ghetto nous vivons nous pas jamais vivre parmi les grands nous pas jamais vivre parmi les voleurs les gangs assassins nous toujours à chercher zone populaire c'est là nous toujours chercher vivre je dis à m'a regarder moi toute diligence la police fait des CPJ fait pour venir assassiner arabe m'pas dire arrêter non assassiner arabe mais c'est bien compté mal calculé m'te gagne joine à terre mais c'est toute méchanceté n'a fait craser moto nèg yo sous conscience sous nom arabe là arabe là par contre ça nous messieurs c'est pas et pas moto arabe là nous craser moto frère nous moto petite soirée pareil nous là on dit jeune fait il faut l'acheter moto est-ce que yo était content ouais arabe t'a courir derrière arabe dans Pétionville
Bah, la blove là, nous en train de craser tout moto nèg, pas vrai? Mais c'est bien compté mal calculé, bataille qu'a fait là, la continue. Nous t'a souhaité que nous prenions conscience si c'est la police. Parce que nous c'est frère, nous pas jamais exciter peuple à la violence contre nous. Parce que c'est dans petite sorte là, nous y est. C'est dans ghetto à nous sortir tout. Je dis à nous qu'a quitté moun ap mal orienté nous. Je dis à Arab Bassemble en policier. Valè pour la police qui wèm dans la rue qui ban blov là pour qui ça c'est monsieur Itag yo même pour m'a regardé moi commissaire Petionville là metté rad Itag souli pour vinn bambal talé a je te m'a dit nous bagaille monsieur ouais arab pa goumen pour on paix pour tête non mais la goumen pour un pays je dis à tout complot qu'a fait calcom tout monde cal dans ma calcom DDN ni dehors de honnête si monsieur vivre ensemble yo pays a nan men nou comme c'est nous même qui metté val pa relé Ariel Henry a dehors continuer goumen continuer bataille pour défendre bien net nous qui c'est Haïti. Je dis à m'a moi tout ça qu'a fait là yo. Un vrai policier pas ta doit prendre la rue pour aller tirer sur monde. Un vrai policier parce que vous a craser moto petite sorette pareil. Un petit jeune qui pas choisi que mes armes cache son vieille moto pour défendre tête lui, qu'on y a même la police qui a tiré sous même petit malheureux ça et qui a craser moto. On pense monsieur toute moto ne craser on a pris mettre yo. Toute moto ne craser dans petite ville sous do arabe là n'a pris mettre yo. Parce que arabe c'est petite ghettolier. Arab pas la jambe vivre parmi les grands. Jodi a si moun na saline, moun village de Dieu, moun grand avine pas ka vivre, moun petite ville pas doit vivre tout. Jodi a m'croi que monsieur vivre ensemble c'est peut-être ça y a revendiqué. Yo tout vle vivre. Yo vinn bon kote population pour bataille pour faire nous tous vivre ensemble pour nous vivre pour notre pays à salier là ça n'a fait là pas intimider arabe n'a continuer goumen n'a continuer bataille jodi a nous ka choisi c'est équipe arabe là pour n'a théoriser tout côté nous connons grand équipe arabe là c'est là nous besoin baro balle nous besoin baro balle tête nous besoin assassiner yo mais c'est bien compté mal calculé jodi a bon Dieu sauve moi de justesse et ceci m'a toujours capable à l'aise dans pays m'pa gen on porte m'a fait m'pa maron pour personne ou grand bagarre m'a demandé. Si monsieur vivant ensemble, rejoignez le peuple là avec nous. Son est arabe, bété, Jean est arabe, sont mettez pied à terre, monsieur nous mettez pied nous à terre pour nous faire ça qu'a fait là. Ay, si monsieur Itag yo semblé nous, que yo couché dans cabane yo, que yo nettoyer zam yo, les gain l'état, il y a bail service que yo doit bail là. Mais dans moment, faut que si monsieur Itag yo connaît que petite ghetto yo, yo pas prendre petite boulos, yo pas prendre petite tapette, yo pas prendre petite akra, yo pas prendre petite meuse, yo pas prendre petite aucune. Si vous libanez maintenant la police, là, c'est petite souhaite qu'à t'adonne. Je dis à nous vivre ensemble, à nous mettre ensemble, messieurs. La police, l'armée, avec peuple là, pour nous faire une seule bataille, pour nous changer ça. Toute gang qui a rencontré avec Kari comme nous, tout pour prendre Bouakale. Bouakale dans le monde, toute gang. De résistance pour Haïti stable démocratique. Rojomo, Rojomo FPP, ensemble d'organisations, ça. Faire un contact la presse matin pour nous dénoncer. Nous ensemble déposés, je dis à quel bon pays à la communauté internationale. Les 41 nègres qui sont ensemble avec femme, longtemps qu'on a parlé d'ingérence, et je dis à qui même personnellement, pour ne pas même tenir, blanc vient faire ingérence, vient acheter pays, ils ont écrit papier, ils ont fait blanc, ils ont fait pays. Sous prétexte de tout besoin, ils ont fait partie du conseil de paix. Et nous-mêmes, organisation SARO, nous disons, ça va passer. Et nous condamner ça. Et nous saisir ouais, le monde que nous avons plus respect pour nous, qui accepte de mettre nos saletés pareilles. Ils se vendent pays, ils se vassalisent la souveraineté pays, ils se vassalisent la dignité pays. Conférence matin, nous voulons parler spécialement avec la communauté internationale et spécialement la CARICOM des États-Unis, qui utilisait CARICOM comme marionnette. Ils mettent le devant, mais pourtant c'est les États-Unis qui a piloté tout ça qui a piloté là. Et nous disons clairement, il y a une instance qui a intérêt dans une crise, pas qu'il y a une volonté pour résoudre. Et si je dis à crise la caille, je suis dans l'école primaire, il fait secondaire, il est à l'université, je suis dans le doctorat, le professeur qui prépare les blancs, c'est les États-Unis, la France, le Canada, qui mènent nous côté nous. Parce que trois canèques aujourd'hui qui amènent dans tout le pays, les munitions Zamio sont directement les États-Unis d'Amérique. Par contre, on est capable de mettre nos bateaux pour traverser les États-Unis, pour le service secret, sécurité États-Unis, pas à retour avec eux. Alors que nous-mêmes, nous pouvons payer avec côté de nous. Maintenant, nous voulons parler avec les États-Unis. Qui gagne notre pays, mais c'est nous connaître. L'ambassadeur qui est chargé d'affaires, parce que nous avons un ambassadeur. Il n'y a pas de président, pas de ambassadeur. Chargé d'affaires qu'il a, et nous connaissons qui parle créole très bien, nous connaissons, m'assurer, l'attendre et la comprendre, ça m'a dit matin. Ça nous voulait dire, monsieur,
la tout transmettre message là par Anthony Blinken. Et si vous pouvez trouver être là, vous pouvez trouver tapi Azu Blinken Ken. OK? N'a dit Azu Blinken Ken. Un, Haïti c'est un pays qui est capable de diviser mais son pays qui grand monde. Son pays c'est pas département d'état. Ce n'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU qui prend résolution de déclarer souveraineté Haïti. Haïti bataille, Haïti goumé, avec Zan à la main, il mette blanc d'ailleurs et il proclame grand monde. Je dis à une grande difficulté, nous devons passer pour patriotes, les pays amis qui sont capables de travailler avec nous pour nous voir comment nous sommes capables de nous. Mais ce n'est pas ça qui a fait nous pas grand monde. Ma petite monsieur Blinken, c'est vrai qu'il y a des conseils, qu'il y a des traites. Comme toujours, parce que ils ont liquidé, ils ont tué Dessalines, ils ont tué Charles Maïperal, c'est pas vous-même directement qui avez tué, c'est conseil qui a tué pour nous. Ça veut dire que nous continuons à être conseil dans le pays. Monsieur Anthony Blinken, nous avons la CAIU pour instance qui aurait la Cour suprême des États-Unis, qui est la dernière instance. Dernière instance, ça, faites se prononcer, faites se prendre un arrêt. En faveur de Donald Trump, qui condamné pour agression sexuelle aux États-Unis, que il a tellement condamné, il a fait dédommager l'humanité violée à 5 millions de dollars comme réparation. Monsieur Donald Trump, condamné dans le tribunal civil, lui condamné dans le tribunal pénal. Ça veut dire qu'il y a une section pénale et une section civile. Alors, la Cour suprême des États-Unis, renoue en réalité, malgré ça, Donald Trump, qui est président, qui est candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique. Nous avons choisi, nous voulons mettre, les noms nous voulons mettre qui Philippe. Nous voulons un conseil trois mounes, conseil présidentiel trois mounes, pour venir en tête par les nationales. Ce n'est pas dans la Maison Blanche que nous voulons mettre. Parce que j'ai l'impression, réaction du département d'État, réaction des États-Unis, CARICOM, la France, le Canada, c'est comme si nous disions que c'est dans l'Élysée que nous allons installer Guy Philippe. C'est comme si nous disions que c'est Canada que nous allons installer Guy Philippe. C'est comme si nous disions que c'est dans la Maison Blanche que nous allons installer la Commission 3 maintenant. C'est comme si nous disions que la crise qui est en Haïti, c'est la crise des États-Unis, et bien les plus intéressés américains que nous-mêmes. Non, monsieur. La question politique, c'est une question de souveraineté. Sur question d'État. D'ailleurs, c'est nous qui mettons dans sa nuit. C'est vous qui créez la situation là, les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est une grande puissance dans le Caraïbe. C'est une grande puissance dans l'Amérique. Là. Ça veut dire ce qui est des bagailles qui fait là, sous pas de blé au fait, sous pas de pays à genoux, sous pas de blé aujourd'hui à petit nous parler l'école, sous pas de blé quand on avait fini avec nous, eh bien nous battons à côté de nous. Son choix offert pour mener nous là. Ça veut dire nous-mêmes, nous dénoncer. Comportement d'ingérence, arrogance que les États-Unis, les la parlé de Haïti, ils parlent de un quartier qui est en dedans, soit Miami, soit Chicago, soit et Boston. C'est comme si c'est comme ça qu'ils parlent, mais ils ne peuvent pas parler de pays qui gourmet, qui ont histoire, qui ont souhait, de pays qui fait l'humanité consacrer les libertés, qui fait l'humanité consacrer les droits humains. C'est nous qui votons les droits humains. Biden. Ça me dénonce, compatriotes haïtiens qui ont une double nationalité. Je parle avec nous. Nous sommes capables de nous goûter. Matin, je demande de nous goûter. Diaspora haïtienne qui a une nationalité américaine, je me sollicite un goûter dans nous face à Biden. Biden tient à ce que nous étions dans l'enfer, dans l'instabilité, parce que c'est à travers l'instabilité, les États-Unis. Le Canada, la France, la CAIUCOM créé, ils ont joué une opportunité. Regardez, quand il y a un problème, il y a une opportunité pour l'autre monde qui a exploité le problème. Ça veut dire que le problème nous est là. Il n'y a pas de problème pour eux, mais c'est une opportunité pour eux. Maintenant, demandez-nous nous-mêmes, Haïtiens, Américains qui l'ont bord. Mais ça pour nous faire pour nous. Avec quatre nationalités américaines. Ou pour voter. Ou font erreur déjà. N'a pas de corriger erreur que vous avez fait. Qui est erreur que vous avez fait, compatriotes haïtiens qui sont dans la diaspora? Biden est sénateur États-Unis. Biden font discours. Biden dit
c'est plus gros souhait, c'est plus belle bagaille pour le taouais, c'est plus belle nouvelle qui t'a remis tendé que un pays pour Haïti effondré en bas en même. Et puis Biden, ça a un candidat pour président nouveau. Et puis je dis, comme il te souhaité, ouais, nous te coulons en bas en la utilisé crise pour disparaître nous. C'est le moyen nous gagner pour nous sauver le pays. Avec 4 électorales, nous, voter contre Biden pour nous sauver le pays. Parce que si nous ne retirons pas, c'est vrai, démocrates, républicains, ils ont tout pour politique, ils ont tout à défendre les États-Unis d'Amérique, mais pas oublier, tout mauvais moment, toute mauvaise décision pour contre le pays, c'est démocrate qui prend. Décision pour écraser l'armée, pour venir voler toute sa l'armée d'Haïti. Pas oublier, les États-Unis portent aller matériel pour 1 milliard 400 de dollars à l'armée d'Haïti. Et puis c'est lui qui a parlé de la médaille, existe parler de la médaille qui est parler de la médaille, garantir sécurité pays. Et puis l'insécurité a débarqué de nous. Et puis Kounia, c'est lui-même encore qui soit disant Algénia, Pradère Moun, pour venir parler de sécurité. Quelle absurdité ou même pièce morale. Ça veut dire dans ce sens, demandez-nous, peuple américain qui a nationalité haïtienne, peuple haïtien qui a nationalité américaine. Moment arrivé pour nous prendre une décision pour nous permettre que le pays aille en souffle en bas équipe Biden. Non. Parce que l'équipe Biden, le projet, avant de finir le mandat, il faut exterminer Haïti, il faut finir avec nous. Et c'est peut-être ça, où malgré la revendiqué, nous connaissons qui est capable de sécurité, nous connaissons qui est capable de mettre dans le pays, mais Biden va parler. Il utilise CARICOM, il utilise tout défi, tout moyen pour empêcher que nous aboutissions à la stabilité, à la paix dans le pays. Pour nous dénoncer comportement, action, décision CARICOM pour l'intimatum, pour faire des choses comme concernant Haïti, vous voyez 7 nombres pour publier, nous-mêmes nous disons contre le projet ça, et il faut que nous vous mettions ça. Et c'est peut-être ça, nous invitons toute organisation qui a signé à ça, toute organisation qui compte ingérence, communauté internationale, la CARICOM, à faire un de pays, nous venons inviter une manifestation pacifique. Organisé. Vendredi Capina, n'a pas rassemblé en Cafou 32, Delma 32, Gore Télévision Nationale pour nous aller marcher, pour nous dénoncer l'ingérence et implication CARICOM, les États-Unis, la France, qui mettaient tout pouvoir, tout moyen dehors pour empêcher nous sortir dans la crise éternelle qui nous est là. C'est un peuple haïtien qui a mis l'ordre. Et nous demandons, nous, peuple haïtien, nous tous ensemble, rejoignons la mobilisation ça pour nous dire oui, nous pour la coopération internationale, oui, nous pour la partenariat international, mais nous contre l'ingérence, la occupation, nous contre planification, génocide que la communauté internationale a planifié pour le pays. Nous disons encore, peuple a demandé Guy Philippe, si le pays a demandé Guy Philippe, si le pays a demandé, quel que soit, mon pays a une légitimité, les États-Unis, la France, le Canada, tenu pour embarquer dans la décision peuple haïtien. Mais ce n'est pas peuple CARICOM, ce n'est pas la communauté caribéenne, ce n'est pas les États-Unis ni la France qui l'a pour prendre décision dans la place peuple haïtien et puis pour dire peuple haïtien, mais vous choisissez pour nous. Les États-Unis ne peuvent pas choisir pour nous. En aucun cas, le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti n'a pas dit Donald Trump, pas qu'un président des États-Unis, après arrêt. La Cour suprême fin de eh bien, États-Unis, tout, pas qu'à permettre pour la petite nous, mais qui est le monde qui doit diriger nous? Non, c'est nous qui connaissons qui est le monde qui veut pour nous, et dans ce sens, nous mobilisons, nous demandons tout le pays à mobiliser pour nous permettre, la communauté internationale, de faire le projet génocide que nous avons sur le pays d'Haïti. Merci. Patrick Boisvert, ministre à compte, interdit la législation pour nous. Qui est ça? Qu'est-ce que Patrick Boisvert? Patrick Boisvert, la justice a poursuivi là pour trafic d'armes et munitions. C'est ton abdon la justice, pays à bagaille qui m'a pu mettre Patrick Boisvert va payer. Patrick Boisvert, on va arrêter l'autre chose. C'est un trafic d'armes. Patrick Boisvert fait partie de l'association malfaiteur que Ariel Henry a dirigé comme premier ministre. C'est une fédération criminelle qui est dans ce pays. D'ailleurs, comme le Bretagne dit nous, pas de transition dans la transition. Nous faisons valer ça. Madame Salvador, tu dis ça va, oui? Ou pas qu'il y ait une transition dans la transition? Je dis, c'est pas bouche pas, il y a parlé de transition. Je te dis, Ariel Henry, il y a supporté Ariel Henry jusqu'à 2026. C'est les États-Unis qui fait Ariel, Bruno Salvador,
à l'entrée avec la Robert 2026. Je te dis, nous même nous disons, dehors, est-ce qu'il n'y a pas dehors? Est-ce qu'il n'y a pas de l'âme pour conférence, moi dis-nous, pas jamais de l'année l'année, encore, comme Premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas de nous ça? Est-ce qu'elle l'a fait? Avec dit, pourquoi tu nous allons là? Que ce bagage CARICOM n'a pas gagné. N'a pas bataille contre CARICOM, pour le projet CARICOM, jusqu'à la dernière route sans nous, parce que nous voulons payer pour gagner de monde. Des hommes d'État, des femmes d'État qui viennent prendre des décisions d'État pour rétablir l'ordre de sécurité de pays. Regardez, mettez l'ordre, travaillez avec un ami pour comment des armes pour permettre la paix. Travaillez sur la question référendum pour que le pays ait une nouvelle constitution qui va être payée et qui permet l'État de vivre plus fort. Et puis organiser l'élection pour un président démocratique. Donc élu pour mettre le pays à souveraineté démocratique et puis pour une communauté internationale là, mais dirigeons-nous et puis pour nous faire pour une coopération internationale. Est-ce que c'est nous y assez?